vous deux, qu'est-ce qui se passe, bordel? Il y a eu une détonation à Piccadilly Circus. Des coups de feu, plusieurs agents touchés. Envoyez-nous les ambulances, vite! C'est pas terminé. En avant! Garrick, suivez-moi. Sécurisez les angles. Enlevez-moi ça, messieurs, enlevez-moi ça! J'ai besoin de vous, sergent. Aidez-moi, je suis pas avec eux! À toutes les stations, on a un homme avec une bombe pour une résistance. Je rentre chez moi. Ça s'ouvre pas. Vous pouvez l'aider. J'essaie. Laissez-moi voir mes filles. C'est trop tard. J'y arrive pas. Plus de temps. Aidez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Non. Non. À toutes les stations. C'est réglé. Préparez-vous, on va sortir. Que tout le monde reste calme. On va vous sortir d'ici. Rien de cassé? Ça va. Allez. Pas dû se passer comme ça, chef. On nous a envoyés au casse-pipe. Pour que tout le monde puisse prétendre qu'on n'est pas en guerre. Ouais, mais personne n'est dupe, ça c'est sûr. Alors pourquoi on a les mains liées? Il suffirait qu'ils nous laissent les combattre. Chef. J'écoute. On n'a pas la moindre...
avec nous quand, mais pas comment. On a traqué cette cellule pendant des semaines. Vous aviez des renseignements exploitables? Oui, mon capitaine. Ok, Garrick. Du loup en Urzikstan. Alex est déjà sur place. On nous signale que des commandants russes arrivent en ville. On leur tend une embuscade. Prendre. Et aussi éloigner la sécurité de la base russe, ce qui nous permettra d'attaquer. Il faut qu'on... Enfin, on n'en reviendra pas. C4 est détonateur à distance. Merci. Veille sur ma sœur. Bonne chance. Toi aussi. Bonjour. Allez, viens. Vite. Américain? Tu peux te fier à lui. Enfile ça. Tiens, Alex. Enfile ça. Le keffieh, couvre-toi avec ça. De quoi j'ai l'air? Ça ira. Tariq, comment ça se passe? Les Russes sont juste devant. S'ils aperçoivent vos armes, ils tireront. Tariq, comment ça se passe? Les Russes sont juste dehors. S'ils aperçoivent vos armes, ils tireront. Ne laisse pas, suis-moi. Les hommes de Barkov occupent toute la ville. Ils seront encore plus stricts. Peu de chance. Il se cache pendant que les autres font le sale boulot. Quel genre de sale boulot? Des sanctions. Les hommes au travail, les femmes dans les véhicules. C'est ici qu'on se sépare. Tu vas devoir... Peu de chance. Quel genre de sale boulot? Des sanctions. Les hommes au travail, les femmes dans les véhicules. C'est ici qu'on se sépare. Reprends le travail. Passe par la porte. On se retrouve de l'autre côté. Malgré ma générosité et ma bienveillance, certains, en Urzikstan, refusent de comprendre que nous sommes ici pour les protéger et leur apporter la paix et la prospérité. On avance, reprends le travail. J'empêche à nous attaquer, disons, liberté. Ces terroristes veulent le pays. Prends la ruelle, à gauche. Tu vois ce soldat? Ouais. Approche-toi de lui, doucement. Attire son attention. Tardonnez! Tue-le. Paye autant que tu veux. Personne ne veut. Alex, va l'aider.
Fais attention à toi, ma sœur. Si on le fait, j'ai besoin que tu sois avec moi, Alex. Je suis avec toi. Il faut que tu caches ton arme. Allons-y. Mes contacts sont postés un peu plus loin. Ils ont des explosifs pour nous. On attirera davantage de soldats russes avec une grosse explosion. Merde. Les soldats de Barkov ont trouvé mes contacts. Ils sont peut-être déjà morts. Attention au bruit. Il faut un silencieux. Trouve un filtre à huile. Tu pourras t'en servir de silencieux. Regarde dans les voitures des civils. Je surveille les gardes. Pas de chance. Continue à chercher. Tant que ceux qui soutiennent ces sauvages n'auront pas été éradiqués. Je suis un homme juste, épris de justice. Va voir dans le garage. Sous mon commandement, nous éliminerons et nous ferons de ces rues un lieu de travail sain et sécurisé. Cette révolte. Il y a un véhicule dans le garage. Regarde s'il y a un filtre à huile dans le moteur. Épris de paix. Ces combattants de la liberté et tout leur complice. Ça fera l'affaire. Bien. On tourne par la droite. Contourne le véhicule, par la droite. Бак просил взять кого-то живым. Нафига? Рабочая сила. Баф прислугу, мужиков, индикатор. Je m'occupe des autres. Как он говорит, в хозяйстве все сгодится. Да. Regardez où vous tirez! Reste à couvert. Attends. T'approche pas de la porte. Осторожно. Могут быть растяжки. Tu les as en joue? La voie est libre. Par ici. Désolé pour tes contacts. On a les explosifs. Planque ton arme. On ressort. Suis-moi, je passe devant. Quand on défie le général Barkov, on en paie le prix. Qu'est-ce qui se passe? Pitié, elle est terrifiée, c'est laissez tout. Vos armes. Je sais ce qu'il y a. Tu comprends pourquoi on doit en a... Crime de guerre. Pour le vol du gaz. Vous voyez? Barkov veut en faire un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Accomplir notre mission. Ces terroristes et mettre un terme à la sont à l'origine de tous nos problèmes. Unissons nos causes. Exposez-les. Et vous serez récompensés. Sauf des toits des détruits. Et là-bas, la base devra en fait. C'est ça. Pose les explosifs sur les hélicos. Je te couvre. Menace la sûreté et la sécurité. Ils doivent être punis. Des gardes à l'en... Si tu les attaques, te fais pas remarquer. Tombe sur des gardes d'un chemin à balai. Discrètement. Ils doivent être punis. Ceux qui osent croire que mes hommes cèdent des tentatives de sabotage se trompent lourdement. Je me laisserai jamais expulser de ces terres par une armée de voleurs et de terroristes. Ces interventionnistes et garderont ce territoire pour toujours. Il n'y aura pas de victoire pour nos ennemis. Si tu les attaques, tu te fais pas remarquer. Et là, pour défendre.
défendre vos vies, votre liberté et votre indépendance. Projet secret. Et ces tentatives de sabotage se trompent lourdement. Je me laisserai jamais expulser de ces terres par une armée de voleurs et de terroristes. Et nous trouvons ces interventionnistes et garderons ce territoire pour toujours. Il n'y aura pas de victoire pour nos ennemis, mais la mort. Ici est là pour défendre vos vies. Pardon l'entrée. Dehors moi. J'allais. Charge en plate. Ça va. C'est l'idée. Maintenant, passe à l'heure. Avec l'appui et le soutien des États-Unis et de leurs alliés du Royaume-Uni, toute personne prise à collaborer avec ces groupes sera condamnée à mort. Aujourd'hui, le peuple de l'Urzikstan est en sécurité. Sous mon commandement. Ce pays pourrait profiter de ses richesses. Mais il doit gagner ce privilège par la loyauté et l'obéissance. Ensemble, construisons une industrie, exploitons ces matières premières. La Russie est votre allié. Soyons partenaires ici. Ensemble, nous pouvons montrer un front uni contre l'Ouest. Et chasser ceux qui n'ont pas leur place ici. Camarades et fidèles citoyens. Voilà d'autres gardes. Merde. Commandant du territoire. Après ma générosité, je me viens juste de comprendre.
comprendre que nous sommes ici pour les protéger et leur apporter la paix et la prospérité. Ces insurgés s'entêtent à nous attaquer sans raison, liberté. Ces terroristes venus de l'intérieur sont le cancer de ce noble pays. Il ne pourra y avoir ni ordre ni paix tant que ceux qui soutiennent ces sauvages n'auront pas été éradiqués. Je suis un homme juste et pris de justice. Nul besoin de juge ou de jury ici pour reconnaître un crime et son châtiment. Prends les escaliers. Éliminons un par un. Stop. Tous ces agitateurs. Il y a un garde en haut des escaliers, à gauche. Je permets d'être à la foule. Autorisation d'ouvrir le feu en cas de menace. Maintenant, avance. Je te couvre. T'as vraiment des réflexes de chat? Personnellement, je peux pas. Charge en place. On se regroupe sur ma position. Cette révolte impose la guerre aux citoyens de l'Urzikstan et pris de paix. Ces combattants de la liberté. Maintenant, rejoins-moi. Et tout leur police. Ils sont partis. C'est le moment. Menace la sûreté et la sécurité de ceux qui suivent les règles. Fais-le exploser. Aujourd'hui. Attention, ils les. Doivent être... Joyeux, Alex. C'était beau. Par ici maintenant. Attends. Prends à gauche. Ne tire pas. Regarde, ça a marché. Les troupes de la base rapide. Ok, ils ont laissé leur véhicule sans surveillance. On va les faire sauter. Vite, sous le pick-up. Un cadeau d'adieu. Qui les attendra à leur retour. Quelle générosité. J'aurais bien aimé assister au spectacle, mais on doit lancer l'attaque avant qu'il soit trop tard. La rue suivante nous mènera au tunnel qui passe sous la maison de Tariq. Merde! Vite! Merde.